Le second livre des Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il revint en Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père ?» Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je le rendrai plus pesant. » « Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akhia de Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ?» Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Hadoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Hadoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour.